Bonjour aux supporters passionnés du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, nous apportons une nouvelle explosive qui pourrait secouer le marché des transferts et renforcer la défense parisienne. L'entraîneur Luis Enrique est confronté à un dilemme avec les blessures de Milan Skriniar et la rechute de Presnel Kimpembe. Avec la nécessité urgente de renforcer la défense, le directeur sportif Luis Campos est prêt à entrer en action pendant la fenêtre de transfert de janvier. Plusieurs noms ont été évoqués, mais l'un d'eux semble avoir conquis le cœur de l'entraîneur parisien, Diego Llorente, de l'AS Roma. Au cours de la première moitié de la saison, Luis Enrique a dû faire face à l'absence de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, et la situation s'est aggravée avec la blessure de Milan Skriniar, qui devrait être éloigné pendant 3 ou 4 mois. Face à ce scénario, le PSG envisage le recrutement d'un défenseur supplémentaire pour offrir une solution solide à l'entraîneur espagnol. Les dernières nouvelles indiquent que l'AS Roma est disposée à négocier Diego Llorente, dont la situation dans l'équipe de José Mourinho demeure incertaine. La Gazzetta dello Sport rapporte que malgré la situation délicate du défenseur central, le club italien est enclin à libérer le joueur, actuellement prêté par Leeds, dans le cadre de ses efforts pour réduire la masse salariale. Et maintenant, supporters du PSG, que pensez-vous de cette possible recrue? Diego Llorente est-il le renfort dont la défense a besoin? Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos opinions. Nous sommes impatients d'entendre la voix des supporters parisiens. Jusqu'à la prochaine nouvelle.